Salut les amis, vraiment contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un truc vraiment simple, très simple, la salade de petits pois. Alors, c'est une salade qui peut se manger normalement simplement avec le pain ou avec de la grillade, pour pouvoir l'accompagner aussi de saucisses, en tout cas plein d'autres choses. Cela reste au choix et au goût. Pour faire cette salade, nous avons besoin de petits pois. Là, c'est écrit 400 grammes, mais 400 grammes, c'est plus le liquide là-dedans, plus la boîte et tout. Sinon, normalement, c'est 280 grammes. Nous allons là, deux boîtes de petits pois. J'ai de ma moutarde de Dijon. Amoureuse de la moutarde de Dijon que je suis. Là, j'ai du persil. J'ai deux oignons de cette taille. Au cas où vous n'avez pas des oignons comme ça, un gros oignon aussi, ça suffit. Là, j'ai aussi un bout de concombre, on va dire. J'ai deux tranches d'ail, la moitié d'un cube magie. Là, j'ai quatre œufs. Mais moi, c'est pas obligatoire, mais moi, je rajoute de la pomme de terre, la pomme de terre que j'ai déjà pré-cuit. Mais cela n'est pas obligatoire, vous pouvez la faire sans. Là, j'ai ma crème de salade, j'ai de l'huile et du vinaigre et mon bol pour pouvoir mixer tout ça. Là, je vais passer maintenant à la découpe de mes oignons, l'ail et persil et mon concombre. Tout est enfin découpé. Je l'ai découpé en dés. Vous pouvez aussi le faire autrement si vous le voulez. Là, j'ai ma pomme de terre, mes quatre œufs. Mais je ne sais pas si ça arrive à tout le monde en train de découper les œufs. Peut-être que j'ai mangé la moitié d'un œuf. Donc là, je vais dire, j'ai 3,5 œufs. J'ai un peu d'ail, voilà mon concombre, mon persil. Et dans mon saladier, je suis venue ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel, une bonne cuillère à soupe de moutarde. Le magie, j'ai pris un magie. Voilà, une cuillère à café de poivre noir. Et là, ma crème de salade. Vous pouvez aussi utiliser la mayonnaise si vous le voulez. Voilà, cela aussi reste faisable. Là, j'ai mes petits pois que j'ai rincés. Là, j'ai deux fois 280 grammes de petits pois. Donc, je pensais que nous devons faire 560 grammes de petits pois là. Donc, voilà, je vais venir mélanger tout ça dans mon saladier. Le résultat de ma salade de petits pois. Assez de crème à l'intérieur, la crème de salade bien sûr. Voilà, cette quantité-là, elle est pour 6 à 7 personnes. Cela dépend de comment on la mange. Voilà le résultat. Je vous assure, c'est une tuerie à essayer. Je vous montre la fin du résultat tout à l'heure, comment je le sers, comment c'est servi du moins. Voilà le résultat. Le résultat de ma salade de petits pois. Voilà servi. Accompagné de poulet rôti au four. J'ai une vidéo sur ma page. Comment je fais un poulet rôti au four à la moutarde. C'est le même procédé que j'ai suivi pour mes cuisses de poulet. Voilà le résultat. La salade, vous pouvez aussi la consommer comme une entrée, ou voilà, servi comme ça, accompagné de saucisses braisées ou grillées, ça dépend, ou de steak. Voilà, manger l'accompagné de poulet, accompagné d'un peu de pain. Donc, j'espère que vous avez adoré la vidéo. Abonnez-vous pour plus de nouvelles recettes. Et puis, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle recette. Que Dieu vous garde. Bisous, bon appétit.